Salut la famille, bienvenue sur Anime Mood et oui, nous sommes de retour pour cette fois-ci encore une fois, vous jouez un mauvais tour. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. J'espère la famille que vous allez bien. Ryan, j'espère aussi que toi tu vas bien. Alban, derrière la caméra, tu vas bien aussi? Eh ben c'est super, la famille, aujourd'hui, on va vous présenter un organisme, pas un animal, c'est pas un arbre, c'est pas un champignon, c'est un truc un petit peu à part, on va vous parler du blob. Alban, il avait découvert un blob qui est venu là, comme ça, un petit peu tout seul, on l'y a pas mis du tout, hein, dans le terrarium des bébés Lepidodactylus. Donc franchement, ça déjà, c'est une occasion extraordinaire de pouvoir le voir dans un environnement clos, sans qu'on l'y ait mis nous-mêmes directement, c'est trop cool. Et en plus de ça, on vous l'avait partagé sur Instagram, il y a du coup une occasion un petit peu extraordinaire qui s'est offert à nous. Franchement, c'est beaucoup trop cool. On est trop impatients de pouvoir vous présenter tout ça. Brian, t'es chaud? Moi, je suis chaud. Moi aussi, je suis chaud. La famille, j'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment vous présenter le partenaire de cette vidéo, puisque oui, cette vidéo est en partenariat avec Mr. Blob. Mr. Blob, donc, c'est toute une équipe qui vont gérer un site internet. Ils nous ont envoyé donc deux kits. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Les deux petits kits qu'ils nous ont envoyés, donc, ce sont des kits d'élevage, donc, de deux souches différentes. Mais sur leur site internet, vous allez pouvoir trouver différentes souches d'élevage, vous allez pouvoir aussi trouver différentes boîtes, différents accessoires, puisque avec Mr. Blob, vous allez pouvoir mener des expériences sur votre blob. Le but avec eux, c'est que vous puissiez expérimenter et faire vos propres expériences avec votre organisme un petit peu particulier, puisque je le rappelle, c'est ni un animal, ni un arbre, ni un champignon. Et justement, Brian, lui aussi, il est là, puisque cette expérience va pouvoir, je pense, être menée avec vos enfants ou même des enfants, ce genre de choses. Donc, Brian, qui lui a l'habitude de travailler avec des enfants, va pouvoir avoir un petit peu cet œil. Je sais pas ce que t'en penses toi déjà, de le voir. Visualiser si c'est vraiment adapté aux familles, aux enfants, entre guillemets. Même moi, je vais pouvoir découvrir ce que c'est, voir ces petites cellules se développer. Et en plus, le kit est assez complet, je pense. Ouais, c'est ça qui est cool. Puis, je dois dire que moi-même, ou même pour Alban, on est vraiment fanat de ce genre de petit kit un petit peu scientifique. On en avait tout le temps quand on était gosse. Il y a un petit côté un petit peu nostalgique. Donc, c'est vrai que pour vous, un petit kit comme ça, ça peut paraître un petit peu insignifiant. Mais je vous le dis, pour nous, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est magique. Et on est vraiment trop content d'être en partenariat avec Mr. Blob. L'avantage avec cette vidéo, c'est que vous allez aussi pouvoir bénéficier de 10% de réduction sur l'entièreté de leur site internet avec le code promo Animood. Celui-ci, il n'est pas définitif dans le temps, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc même si vous regardez cette vidéo 3 mois plus tard, eh ben écoutez, rendez-vous sur le site de MrBlob.fr pour vous commander votre petit kit, vos petits accessoires pour faire vos propres expériences. Bon Matt, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un blob, parce que du coup je suis là aussi pour découvrir et apprendre ce que c'est, et qu'est-ce qui fait qu'il est aussi fascinant? Alors, je vais vous expliquer, puis je vais t'expliquer en même temps ce que c'est que le blob. Alors le blob, son nom scientifique, c'est Physarum polycéphalum, un nom un petit peu compliqué pour dire que c'est un organisme unicellulaire, donc composé d'une seule cellule. Nous par exemple, en tant qu'être vivant, puisque lui aussi il est vivant, attention, en tant qu'animal, puisqu'on fait partie du règne animal, on est composé de millions et de millions et de millions de cellules, lui il en a qu'une seule. C'est un être vivant donc, qui n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, donc c'est plutôt un cousin des amibes, qui sont des micro-organismes, comme des microbes par exemple, et ces micro-organismes du coup ils vont être microscopiques eux, mais le blob lui va avoir cette possibilité d'être visible, d'être non pas microscopique mais visible à l'œil nu en fait, tout simplement. Il va avoir des tailles, il peut même atteindre des tailles de plusieurs dizaines de centimètres, enfin il y en a qui sont énormes. Je crois que le record, il est de plusieurs mètres, même une bonne dizaine de mètres en termes de longueur uniquement, pas forcément de masse. Déplacé autant? Non, bah c'est qu'il s'est développé dans les laboratoires. Le plus lourd faisait à peu près 3 kilos, il a été retrouvé dans une forêt, enfin c'était énorme, c'est un blob, il était monstrueux. Donc oui, ça peut grandir énormément, et en fait il est composé d'une seule cellule, et pour pouvoir grandir autant, cette seule cellule va être composée de millions et de millions et de millions de noyaux. Là où nous, par exemple, une cellule, un noyau. Une cellule, un noyau, c'est pour ça qu'il y a des millions de cellules, donc des millions de noyaux, mais une cellule, un noyau. Lui, il en a plein. Et pour grandir, il va être capable de diviser ses noyaux. Donc en fait, il a un noyau, il divise en deux, ça fait deux noyaux, donc il double de taille. Ces deux noyaux se divisent en deux, ça fait quatre au total, etc. Et ben, en fait, il grandit. Il est capable de doubler de taille, doubler de taille, doubler de taille. C'est comme ça qu'il grandit, en fait, tout simplement. À chaque fois, il va diviser ses noyaux et augmenter sa taille et son volume. Et ce micro-organisme que nous avons là a des capacités qui sont véritablement extraordinaire. Et au niveau du physique, il y en a plein. T'as des couleurs qui sont, tu vas avoir du jaune, t'en as qui sont un petit peu plus orangés, t'as plein de couleurs qui vont être différentes. Il faut savoir que lui, il a aussi plein de capacités, comme je te l'avais dit, tu vois. Et je vais t'expliquer pourquoi il est fascinant, du coup. Tu vas voir, c'est impressionnant. Ses capacités fascinent encore les scientifiques aujourd'hui. C'est, par exemple, comme tu l'as dit, il est capable de se déplacer. Alors, cette capacité de pouvoir se déplacer, c'est un petit peu comme pour les animaux, c'est pour ça qu'il y ressemble un petit peu quand même. C'est tout simplement pour pouvoir aller chasser, récupérer de la nourriture. Il va
venir se déplacer. Donc ça reste très lent quand même. Il va se déplacer à peu près de 1 cm par heure. Quand il a vraiment la dalle, par contre, c'est à peu près 4 cm par heure. D'accord, ok. Vraiment, quand il a... Ouais. Vraiment, quand le bidou, il creuse un petit peu, là, il peut avancer un petit peu plus vite. Mais sinon, ça reste un organisme assez lent. Il va plutôt vivre, lui, dans des forêts, des sous-forêts même, je te dirais. Tu vois, c'est pas forcément si facile que ça de pouvoir le trouver. Mais quand tu vas dans les forêts, que tu déplaces un petit peu les feuilles, un petit peu les écorces que tu vas trouver au sol, tu peux assez facilement trouver un blob en tout cas. C'est quelque chose qu'on a découvert très tard. On a découvert ça dans les années 70. Et grâce à cette découverte, on a aussi découvert qu'il avait plein de capacités justement. C'est une Texane en fait qui l'a découverte dans les années 70 à peu près. Et sa découverte, je te le dis, les Américains, tu vas voir, ils sont complètement fous à cause de ça. Mais pour moi, hein. En fait, elle a trouvé ça dans son jardin. Une espèce de masse un petit peu orange, un petit peu étrange au fond de son jardin. Bon, ça l'a pas trop inquiété. Elle l'a observé, mais voilà sans plus. Elle est repartie. Un jour plus tard, elle revient. Le truc, il avait doublé de taille. Il était énorme. Là, il s'était bien nourri. Voilà, il s'était bien nourri. Du coup, elle commence à s'inquiéter un petit peu. Et ce qu'elle décide de faire, c'est de le prendre, de le couper en plein de petits morceaux. Puis elle répand ça un petit peu partout dans son jardin, histoire de pouvoir se dire, ouais, bah ça va faire un petit peu d'engrais, quoi. Erreur. Quand tu... Ça a pris de l'ampleur. Ah bah, dis-toi une chose. Quand tu sépares le blob, et c'est ça qui est fascinant chez lui, c'est qu'en fait, quand tu le coupes, il va pas mourir. Il n'y a pas une partie qui va survivre. Non. Ça va créer des clones. Tu coupes un clone, tu coupes un clone, tu coupes un clone. En fait, elle a coupé en des milliers de petits clones, des centaines de petits clones, ce qui fait qu'elle en avait partout dans son jardin. Et n'oubliez pas, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas du tout ce que c'était que ce truc-là. Les Américains, tout de suite, s'il y a des aliens, des trucs, enfin voilà, ils ont commencé à flipper. Ils ont balancé des produits chimiques. Ça résiste aux produits chimiques. Produits chimiques, aucun problème, ça résiste, il n'y a pas de souci. Les acides, il n'y a pas de problème, ça résiste à... Ça se régénère à ce point. Ah mais ça se régénère, enfin c'est pas que ça se régénère, c'est-à-dire que ça se casse, ça va en fait cicatriser, il va avoir la capacité de pouvoir cicatriser en moins de 2 minutes, puisque en fait quand tu le coupes, tout son réseau veineux va automatiquement cicatriser au contact de l'air. C'est une capacité de cicatrisation extrême, un petit peu comme Naruto, tu vois, il va très très vite. Mais en tout cas, ces Texans, au final, ça s'est fini comment cette histoire? Bah, il y en avait un petit peu partout dans le jardin, les Américains, ils ont essayé plein de solutions, ça n'a pas marché. Du coup, au bout d'un moment, ils ont sorti les pistolets, les mitraillettes, ils ont signé à tirer dessus. Ça n'a pas marché non plus, hein, je vous le dis tout de suite, ça n'a absolument pas marché non plus. Mais par contre, le feu, c'est plutôt efficace contre ça. Le feu, oui, il ne résiste pas bien au feu. Par contre, comme je te l'ai dit, il résiste à énormément de choses. Tu peux le mettre dans des chaleurs qui sont extrêmes sans que ce soit le feu, il va y résister. Le froid extrême, il va être capable d'y résister. Par contre, quand tu le mets dans la... En fait, c'est ça qui est assez étonnant avec le blob. C'est que quand tu le mets dans un laboratoire, il va être capable de résister à des conditions qui sont véritablement extrêmes auxquelles... peu d'êtres vivants sont capables de résister. Par contre, tu le fous dans la nature, le moindre petit changement de température, chouic. D'accord, ok. Ça va très très vite en fait. C'est ça... encore en cours de développement. Bah, c'est de découverte et c'est surtout qu'en fait on sait qu'aujourd'hui son état, sa mission principale à lui c'est juste de se développer. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait c'est complètement différent de nous mais ça nous ressemble beaucoup à la fois. Comme les animaux, il est capable de se déplacer, de chasser et comme les champignons par exemple, son mode de reproduction est très proche de celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait lui il va grossir. Une fois qu'il va avoir atteint la bonne taille, là eh ben, il va se mettre en mode de reproduction entre guillemets. Donc il va essayer de chercher un autre blob, il va communiquer avec les autres blobs parce qu'il est aussi capable de communiquer avec les autres blobs avec des signaux chimiques. Il va envoyer des signaux chimiques, se dire voilà moi je suis prêt à me reproduire, est-ce qu'il y en a un autre qui est pas forcément trop loin, ok. Et là ce qu'il va faire c'est qu'il va se mettre, il va avoir un aspect un petit peu de mousse, ça va ressembler un petit peu à un champignon. Et en fait à ce moment-là il va se charger en spores et il va se reproduire comme les champignons par spores. Les spores ils vont venir éclater, ça va faire une espèce de fumée qui va se répandre un petit peu partout et ça va créer une homogénéité, c'est ça? Homogène, ça va être plus simple. Ça va faire une sorte de fumée, tu sais, un petit peu comme dans les films, quand les gens ils écrasent des champignons, ça fait une espèce de fumée. Et bah, c'est exactement le même principe. C'est des spores microscopiques qui vont se propager un petit peu partout. Il y en a un autre champignon d'un autre sexe, blob d'un autre sexe qui va lui aussi être dans cette phase, qui va envoyer ses spores et là ça va se reproduire, ça va créer encore un autre blob. Et il faut savoir que chez le blob, contrairement à nous par exemple, nous pour pouvoir se reproduire, il nous faut, on est des mâles donc il faut des femelles, tu vois, même pour tout, la plupart des êtres vivants, attention. Mais pour le blob, il a le choix entre 719 sexes différents.
Voilà, chez lui, il y a 720 sexes différents potentiels. Donc, autant vous dire que quand il en croise un dans la nature, il y a de très grandes chances qu'il puisse se reproduire. Mais dis-toi une chose, ce n'est pas sa seule faculté. Encore une fois, il est aussi capable de fusionner. Fusionner, un petit peu comme dans DBZ, tu vois ce que je veux dire ? Il est capable de fusionner. En fait, il va se mettre en contact avec un autre globe. Il va se rapprocher de lui. Les deux vont se mettre en contact. Et si vous les laissez en contact pendant plus de 3 heures, ils vont pouvoir fusionner. Mais cette capacité de fusion fait une autre capacité encore. C'est celle de pouvoir apprendre aux autres. Puisque lui-même est capable d'apprendre, c'est-à-dire que le blob, les scientifiques ont fait des expériences. On sait qu'il déteste le sel. Le blob, de manière générale, déteste le sel. Donc, ils ont mis un petit peu de nourriture entourée de sel. Ils se sont rendu compte que le blob, il n'arrivait pas à passer. Mais au bout d'un moment, il a fini par apprendre à tolérer le sel. Il s'est adapté à ce point. Il s'est adapté au sel. C'est-à-dire qu'il a fini par comprendre que voilà, le sel, c'est pas cool, mais je peux apprendre à l'aimer. Donc, il l'a appris. Je pensais que c'était corrosif du coup par rapport à la cellule. Mais non, pas forcément, pas du tout en fait. On pourrait penser que ça agit comme un acide, pas du tout. C'est juste qu'il va apprendre à l'apprécier et finalement, il va récupérer la nourriture qui l'intéresse le plus. Donc, pas forcément le sel, mais ce qui était au milieu. Et le truc le plus fascinant, c'est que quand tu fais ça, donc ils ont pris le A qui a fait cette expérience, et t'avais le blob B qui lui était tout neuf, il a fait aucune expérience dans sa vie. Ils ont mis le blob A avec le blob B, ils ont fait une fusion, et ils se sont rendu compte que le blob maintenant, qui avait fusionné, tu pouvais récupérer une petite partie, et il avait appris à résister au sel. Donc en fait, sans cerveau... Il arrive à apprendre. Ouais. Autant de capacités réunies. C'est ça, en fait, il n'y a pas forcément besoin de cerveau pour, tu vois. C'est impressionnant. En fait, c'est ça qui est fascinant et c'est ça qui fascine les scientifiques. C'est vivant, ça n'a pas de cerveau, c'est une seule cellule. Il a la capacité de pouvoir se régénérer, de résister à des températures extrêmes. Il a la capacité de pouvoir apprendre, de pouvoir apprendre aux autres. Il a la capacité de pouvoir fusionner. Il est capable de pouvoir se cloner. Il se reproduit par spore comme un champignon. Il se déplace comme un être, comme un animal. Ça fait beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui fascine autant. C'est qu'on l'a découvert dans les années 70, on menait encore plein d'expériences et c'est fascinant. Moi, je vous le dis, le blob, je pourrais en parler encore pendant des heures, j'adore ça. Mais la famille, il est temps, je pense, de s'orienter vers le petit kit, d'ouvrir ce petit kit, de découvrir ce que Mr. Blob nous a envoyé. Je suis trop pressé. On va pouvoir maintenant s'intéresser à ce que nous propose du coup Mr. Blob. Alors déjà, d'un point de vue extérieur, le kit. Moi déjà, je trouve que la boîte, elle est plutôt pas mal en termes de design. Alors, c'est vrai que le design, c'est plutôt Brian qui va vous en parler puisque lui, il a l'aspect avec les enfants. Ouais, le paquet complet attire l'œil. C'est assez précis, c'est assez décrit. Je vois que c'est marqué interdit aux enfants de moins de 3 ans, ce que je comprends parce que la manipulation, c'est un peu sensible. C'est quand même un être vivant. Mais en tout cas, ça ressemble à un jeu de société pour moi comme ça déjà. Ouais, ça te fait penser à un jeu de société. Ouais, petit coffret. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais, un petit loup-garou, un petit truc comme ça. Ouais, je vois, carrément. Après, c'est vrai que le design, il est quand même dans l'air du temps. Il y a quand même pas mal d'explications qui sont dessus. Franchement, on est sur un kit qui pourrait se vendre très clairement chez Cultura, chez la Fnac, ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment très très cool pour notre partenaire parce que on est quand même sur un produit de qualité et ça se voit tout de suite rien que d'un point de vue extérieur. En tout cas, c'est mon avis personnel. On va pouvoir s'intéresser à ce qu'on va trouver à l'intérieur. Alors, à l'intérieur de notre petit kit, déjà, on a une ouverture aimantée. Vous voyez, la boîte, elle est plutôt rigide. On a une ouverture qui est aimantée et franchement c'est plutôt pas mal. Alors à l'intérieur, petit design à l'intérieur, franchement c'est magnifique. Hop, les petites cartes, le petit fascicule avec le petit guide d'explication, donc tout est à l'intérieur. Ça, je vous conseille de bien le garder, on va le mettre sur le côté pour le moment puisqu'on va attendre un petit peu. C'est vraiment Venom. Ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça que ça peut faire penser à un alien. Ouais, je comprends. Tu vois? La petite carte est représentée. Mais oui, j'avoue que Venom, j'y avais pas forcément pensé. C'est une très très bonne représentation. Je sais que c'est Alban qui l'avait précisé justement quand on avait parlé du blob. Ouais. Il l'avait précisé, ça faisait un petit peu quand ça se propage, Venom. C'est un peu ça. Quoi. Surtout qu'en plus, il peut se diviser. Venom, c'est clairement ça au final. Donc là, t'es sur le petit guide. Donc ça va être le guide d'explication. Tu vois, à toi de jouer, etc. Donc là, tout le guide d'explication qui va nous permettre de pouvoir nous occuper de notre petit blob, et à l'intérieur on va trouver tous les outils. Alors ça, déjà, premièrement, on a les flocons d'avoine. Donc ça, les petits flocons d'avoine, c'est l'alimentation principale de notre blob. Faut savoir que le blob, il raffole littéralement de flocons d'avoine, donc c'est plutôt pratique, même pour faire des expériences. Vous allez voir, c'est très très bien. Moi j'en raffole pas perso. Je t'avoue que moi non plus, quoique dans des cookies c'est plutôt pas mal. Apparemment.
Sinon, on va avoir du coup, alors, les petits sachets d'agar-agar. Donc l'agar-agar, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, un gélifiant. C'est quelque chose qui va permettre de pouvoir mettre l'eau en gelée. Le blob, lui, il va avoir besoin d'un environnement humide pour pouvoir se développer et pour pouvoir grandir tout simplement. Et donc l'agar-agar, c'est littéralement le milieu parfait pour lui, il n'y a pas mieux. Donc vraiment, ça c'est plutôt cool. Ensuite, à l'intérieur, mais c'est complet de chez complet tout ça. Mais avec ce kit-là, vous allez pouvoir faire des expériences en famille. Franchement, je vous le dis, c'est mortel. Des scientifiques en herbe. Mais grave. Donc ça, on a le petit U. Donc ça, c'est la petite pince. Petite pince en bambou. Ok, ça c'est pour, alors, pour attraper l'organisme ou c'est plus pour... Attraper, je pense pas que ce soit pour l'attraper. De toute façon, ça va être expliqué directement okay. À l'intérieur. Je suis pas spécialiste non plus du blob, hein, moi, mais ça me fascine. En fait, je suis fasciné par tout ce côté scientifique, découverte, ce côté un petit peu alien, mais ça vient de chez nous. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce côté-là qui me fascine. Et on va pouvoir découvrir un petit peu tout ça. Alors là, on doit avoir... Ça doit être du colorant, je pense, pour la gelée. Ok. Ça doit être pour colorer ton agar-agar. D'accord, ok. Donc ça, c'est... Je pense, hein. Je pense. Peut-être pour faire tes expériences, genre blob A, blob B, tu vois. Okay. Après, tu fais. Pour départager. Bah, peut-être. Genre, chacun fait ses expériences de son côté, puis après, tu fais une fusion, tu vois ce qu'ils apprennent et tout. Enfin, voilà, c'est des Pokémon en fait, tu vois. C'est littéralement des Pokémon. La petite pipette, alors ça, la petite pipette, ça va pouvoir mettre des gouttes d'eau. Puisque le blob, lui, il est dans une phase actuellement de dormance. Alors je connais plus le nom exact scientifique de cette dormance, mais il est en phase de dormance. Et cette phase de dormance, elle peut durer très très longtemps. Dans un environnement comme celui-ci, facilement des mois. Mais par exemple, si vous le mettez dans un frigo ou autre, ça peut durer pendant des années. Pendant des années, la petite blob sous forme de dormance va pouvoir continuer. Mais en fait, si, il y a plusieurs souches. Putain, ouais. C'est incroyable, regarde. C'est ce que... Souche Badamia, et là, j'ai une souche Malu. Ok, d'accord. Donc, en fait, on a plusieurs souches, plusieurs blobs différents, puisque malgré que ce soit qu'une seule espèce, hein, Physarum polycephalum, il existe plusieurs souches. Donc, nous, à l'intérieur de notre kit, nous avons deux souches. Une souche, du coup, Badamia, je sais pas exactement, ça doit être une souche américaine, je pense, et une souche Malu, ou Malu. Je sais pas exactement comment ça se dit. À l'intérieur, on va pouvoir trouver, donc ça, c'est les récipients. Je pense que c'est les récipients qui vont permettre de pouvoir avoir l'agar-agar. Qui doivent se fermer ensuite. Ah, c'est un labyrinthe peut-être. Exactement. Trop stylé. Il y a vraiment des trucs. Mais et tu vois, je pense que tu as en deux étapes. Tu fais partir tes deux blobs de l'autre côté, tu mets un flocon d'avoine là et tu vois c'est lequel qui arrive en premier. Tu vois, par exemple, ça peut être des petites. Attendez. Très très bien réfléchi. Je vais vous montrer. Très bien réfléchi. Voilà. Donc ça, c'est le petit labyrinthe que vous avez. Quand vous avez donc une souche ou même deux souches, parce que je vous le rappelle, vous pouvez couper votre blob en deux pour faire deux souches différentes. Vous pouvez mettre, donc on va le faire partir de ce côté-là. Vous voyez les deux côtés-là. Vous mettez une souche de chaque côté et en fait, ils vont faire le labyrinthe. Vous mettez un flocon d'avoine de l'autre côté et vous regardez lequel arrive en premier. Ça vous permet de faire des petits paris entre potes ou même si vous êtes juste avec vos enfants. Typiquement, vous avez deux gosses, ils sont toujours en train de se battre pour savoir lequel va faire la vaisselle. Bah, vous mettez vos blobs de chaque côté et puis le premier qui arrive, il a gagné, il fait pas la vaisselle, tu vois. Il existe. C'est vrai que ça peut être une technique, ça peut être... Bah ouais, carrément même, c'est une activité plutôt cool. Franchement, le fait déjà qu'il nous ait mis plusieurs souches, parce que les souches vont sûrement réagir de manière différente, tu vois. Je sais pas exactement, moi c'est vrai que je suis pas un spécialiste du blob, mais en tout cas je pense qu'il va y avoir des réactions différentes en fonction de la souche. On va... Du maintien aussi, peut-être aussi. Enfin, ouais, ça... Alors, le maintien, je ne sais pas, parce que ça reste un milieu très humide. Je pense que les conditions de maintien vont rester les mêmes, peu importe la souche. Okay. Mais après, ces réactions en fonction de la nourriture, peut-être que tu vas en avoir qui vont être plus agressifs sur la nourriture que d'autres, d'autres qui vont s'étendre un petit peu plus, d'accord, etc. Et c'est comme ça que ça se fait, en fait, tout simplement. Je pense que chacun, au fur et à mesure de ses expériences, va réagir différemment au final. Donc, ça, bah, ça c'est... Pour le cuisiner, ça. Ouais. On va cuisiner notre petit blob. Je vous le dis, avec des yeux, un petit peu d'échalotes et tout ça, magnifique. Ça a un petit goût de champignon, tu vois, bizarrement. Ça, c'est... Alors ça, c'est ta petite cuillère pour l'agar-agar, je pense. De toute façon, là, on va déjà... De toute façon, oui, voilà. On va déjà mettre un petit peu tout le matériel ici, je pense, déjà pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, j'ai encore une petite boîte pour pouvoir mettre mon petit blob à l'intérieur. Et là, je vais avoir les petites mousses. Et ça, pose ton blob ici. Ok, ça c'est la zone d'observation. Donc en fait, ça on peut le mettre sur le côté. Hop. Même la boîte fait partie du kit. C'est incroyable. Bah, c'est incroyable. Tu me sors les mots de la bouche. Franchement, incroyable. Ouais, c'est ça. Hop, tu peux prendre ton petit kit là. Tac, j'en ai un là. Okay, ouais, je prends. Là, je te suis. Ok. Je le pose. Attends, et comme ça, ça te permet. Oh putain, t'as les règles. Les règles pour faire tes mesures et tout ça, savoir combien il grandit et tout. Ah, ouais. Franchement.
Le kit, il est vraiment complet. On n'a pas encore démarré notre expérience. On a juste sorti un petit peu tous les outils qu'on avait trouvés à l'intérieur. Et je vous le dis, c'est ultra complet. Avec ça, vous allez pouvoir faire plein d'expériences avec vos enfants ou même vous-même. Vous pouvez les faire tout seul ou à plusieurs. Franchement, c'est trop cool. Si vous êtes passionné de tout ce qui est scientifique, je vous le dis, avec ça, vous allez vraiment vous éclater. Donc nous, on va pouvoir mettre un petit peu ça partout. On va essayer de tout bien ranger comme il faut. Et on va pouvoir se lancer dans la culture de notre blob. T'es prêt? T'es chaud ou quoi? T'es chaud? Toi, t'as une préférence ou pas pour la souche? Damien, ça me parle plus. Bah Damien, ça te parle plus, toi? Tamalou, je sais pas aussi. J'ai pas voilà. Là. Vas-y, on va partir. Toi, la souche Badamien, ouais. Et puis moi, la souche Malou. On va voir comment ça se passe. T'es chaud? Ah, je suis chaud. Vas-y, allez, c'est parti. Maintenant, on va pouvoir préparer l'environnement de notre blob. Comme je vous l'ai dit, il va vivre dans un environnement humide, donc on va utiliser de l'agar-agar. Franchement, il n'y a rien de mieux pour ça. Donc, on va se munir déjà d'une petite boîte. Hop, je vais la placer juste ici. Et on va lire le petit fascicule pour être sûr et certain de ne faire aucune erreur sur la préparation de l'agar-agar. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Prépare d'abord la gélose et la boîte de pétri qui me servira de maison en tout autre récipient non fermé hermétique. Oui, c'est vrai qu'on pourrait utiliser ça, mais on pourrait aussi utiliser autre chose tant que ça peut se fermer et que c'est hermétique. Pour cela, utilise un mélange d'agar-agar à 1%, c'est-à-dire la petite poudre qu'on a là, 1 g ou 1 cuillère de mesure pour 100 ml d'eau. C'est-à-dire que la petite cuillère là va représenter 1 g de poudre qu'on va devoir mélanger à 100 ml d'eau, tout ça porté à ébullition. Une fois le mélange refroidi, verse une couche d'environ 5 mm dans la boîte de pétri, il t'en reste un petit peu. Bon, tout ça je vais le relire un petit peu après, je vais le poser pour le moment. Déjà, il va falloir qu'on prépare l'eau et qu'on la porte à ébullition. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer 3 verres, puisqu'on va avoir besoin d'un verre supplémentaire. Un verre pour moi de 100 ml, un verre pour toi de 100 ml et un autre verre d'eau, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Je vais aller préparer tout ça, je vais porter tout ça à ébullition et je reviens dans quelques instants. C'est bon, je suis allé porter à ébullition 100 ml d'eau et 100 ml d'eau et j'en ai profité pour ramener un petit peu d'eau en plus. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu après. Déjà, la première étape, donc on pourrait mettre l'agar-agar directement, mais j'ai vu qu'ils ont mis un petit peu de colorant alimentaire juste ici. Je me suis dit qu'on allait peut-être pouvoir colorer un petit peu, voir ce qu'on pouvait faire. Je sais pas, moi je vais faire ma petite couleur. Bleu perso. Bleu toi? Moi je peux peut-être me faire un petit violet. Alors évitez d'en mettre trop, je te conseille aussi de mettre quelques gouttes seulement, ça colore très facilement. Mets quelques gouttes et adapte après au fur et à mesure. Tu peux mélanger je pense avec le cul du couteau, ça fera très bien le taf. Hop, je vais mettre deux petites gouttes de celui-là, une, deux, et je vais mettre une goutte du rouge histoire de faire un petit violet, on va voir ce que ça donne. Et une petite goutte de rouge, voilà. Moi, je veux que mon blob ressemble à Sonic. Et on mélange. Ah oui, directement. Ah, ça donne un petit côté bleu foncé de mon côté. J'ai peut-être rajouté un petit chouïa de rouge, histoire que ça fasse un peu plus violet. Ça fait un bleu marine, un peu. Faut le dire. Ouais, c'est ça, ça fait un bleu un peu marine. Ah, là, on est plus sur du violet foncé, c'est sympa. Voilà. C'est moi qui vais devenir, je trouve. Il s'en est mis partout. Ah, puis fais gaffe aux fringues, ça tache facilement. Donc fais très attention avec ça, tu vois, je m'en suis mis un petit peu de rouge, je l'essuie tout de suite parce que sinon ça tache facilement. Donc faites-vous aussi très attention parce que les vêtements, c'est très précieux, ça peut tacher très vite. Donc si jamais vous faites une tache, mettez tout de suite à laver et ça évitera que ça reste. Une fois qu'on a fait notre préparation, donc là on va pouvoir mettre l'agar-agar à l'intérieur. Je rappelle qu'on a utilisé 100 ml d'eau chacun, donc on va devoir mettre une seule cuillère comme celle-ci, donc 1 g d'agar-agar. Puisque pour 100 ml d'eau, c'est 1 g. Si vous utilisiez 300 ml d'eau, vous utiliserez donc 3 cuillères comme celle-ci d'agar-agar. L'agar-agar, c'est la petite poudre hein, qu'ils ont mis à l'intérieur du kit, si jamais vous n'aviez pas la petite précision. Directement dans la petite, dans le petit récipient. Non, tu mets ça dans ton verre. Ouais, tu mets ça dans le verre. Ok. Une cuillère complète. Hein. Et c'est là où ça va faire le mélange. C'est ça, exactement. Tu la verses à l'intérieur. Hop. Et ensuite, on va pouvoir refaire notre mélange avec le couteau. On mélange bien comme il faut. En fait, il faut que ce soit chaud, absolument, parce que ça va venir se solidifier en refroidissant. Donc, si c'était déjà froid, la réaction chimique pourrait difficilement se faire et ça posera des soucis. Donc là, une fois que c'est bien mélangé, on peut attendre une ou deux minutes histoire que le mélange soit bien homogène. Et une fois que c'est bien homogène, on va pouvoir le verser à l'intérieur. Hop, on va pouvoir ouvrir et je vais verser ça. Donc, petite précision sur la notice. Ils ont noté qu'il fallait 5 mm d'épaisseur. Donc on va faire attention. À mon avis, on va pas tout utiliser. Il va en rester un petit peu dans le verre. Donc c'est pas grave s'il en reste un petit peu. C'était prévu. Voilà, il faut vraiment verser délicatement. Voilà. Et c'est parti. Je vais peut-être le faire comme toi en extérieur des boîtes parce que
Ouais, j'en fous partout aussi. C'est difficile d'être précis avec les verres. Ouais, c'est pas facile. Il n'y a pas de bec verseur et tout ça, c'est pas forcément facile. 5 mm. Ouais, bah ouais, ok. Bon, on n'est pas trop mal. Une fois qu'on a fait les 5 mm d'épaisseur, je vais décaler un peu le verre, on va devoir patienter. Là, la solution, elle va devoir refroidir pour venir se solidifier, comme je vous l'ai dit. Donc, on va devoir patienter au moins 15 minutes. De toute façon, si jamais vous avez le moindre doute, évitez d'y toucher directement, vous pouvez contaminer l'environnement. Prenez juste votre boîte, vous la retournez. Si ça tombe pas, c'est que c'est solidifié. Bon, si ça tombe, ce serait dommage. On va pas la retourner tout de suite. Nous, là, on est parti pour patienter 15 minutes, donc on vous retrouve dans 15 minutes. Au final, ça fait pas 15 minutes qu'on a attendu, ça fait une heure et demie. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on n'avait pas vraiment, enfin, peut-être que ça paraît logique pour beaucoup, mais nous, en tout cas, ça ne l'est pas. Dans ma grande impatience, j'ai eu la bonne idée, en fait, de trifouiller le truc pendant toutes les 15 minutes. Ce qui fait qu'au final, au bout de même une heure, le machin, il était toujours... C'était court de la bonne gélatine encore. Ouais, c'est ça, ça faisait vraiment de la bonne gélatine, bien visqueuse, bien plouc, tu vois, quand tu l'as touché un peu. Là, par contre, on a recommencé. On a attendu 15 minutes, donc on a fait bouillir l'eau, on a mis l'agar, on a mélangé, on a versé, on a attendu 15 minutes sans y toucher, donc pas de, avec de la patience. Et ben là, par contre, on a quelque chose de plat, et je peux le retourner, pas de souci. Vous voyez, avec une belle couleur, toi, Brian... Moi qui recommande même d'ailleurs de faire le test quand c'est bien solide, de retourner pour voir si c'est vraiment solide. Et là, franchement, ça colle bien, tout ça, pas de souci. En plus, toi, t'as un beau bleu, moi j'ai un beau violet, franchement, belle couleur. Ouais, belle couleur. En tout cas, moi je vais me mettre ici, tiens. Je vais verser ça dedans. Oh, regardez. Voilà ce que ça fait. Voilà, c'était cet aspect-là un petit peu, en fait, à l'intérieur. Vous voyez, pas tout à fait terminé. Une agar-agar pas tout à fait terminée. En tout cas, c'était pas très ragoûtant. Hop. Blob l'éponge. Voilà. C'est parti. Je vais mettre ça sur le côté. Donc maintenant, on doit directement poser la souche, c'est ça? Alors, attends. On va prendre le petit fascicule. Donc, j'avais dit que je regarderai la suite un peu plus tard. Alors, une fois la boîte prête, prendre le sclérote. Alors oui, c'est ça, le nom que j'avais oublié tout à l'heure dans la vidéo. Ça, cette petite partie-là, ça s'appelle un sclérote. Et le truc ultra intéressant à savoir avec ça, c'est qu'en fait, donc le blob, je vous avais dit, c'était un organisme unicellulaire, donc avec une seule cellule. Le sclérote, donc quand il passe à cet état de sclérote, il va se transformer en organisme multicellulaire. Ça veut dire qu'il va se transformer et avoir plusieurs cellules, donc exactement comme nous, et cet état de dormance, il va pouvoir le conserver pendant très 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 longtemps, plusieurs années si vous le conservez dans les bonnes températures au frigo, pas trop à la lumière, etc. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt pratique de pouvoir le conserver là-dedans et ensuite de le réveiller. Donc pour le réveiller, c'est tout simple, c'est bien noté à l'intérieur. Oui, le petit bout papier, c'est là que je me trouve. Place-moi au centre de la boîte de pétri et humidifie-moi avec une ou deux gouttes d'eau. Ça, ça va permettre de pouvoir le réveiller. Une fois qu'il va être humidifié avec de l'eau, tout de suite, il va se réveiller. Bon, ça peut prendre en réalité quelques heures, attention, quand je vous dis tout de suite, c'est pas forcément tout de suite, ça prend quelques heures. C'est 3 à 48 heures exactement. Et cette petit papier-là, par contre, vous n'êtes pas obligé de le placer au milieu. En réalité, si vous pouvez le placer où vous voulez sur votre boîte, et la petite pince va rentrer en action à ce moment-là, je vous déconseille de le prendre à la main, je vous conseille de le prendre à la petite pince, ça vous évitera toute contamination. Donc moi, je suis parti sur le Malu, comme on avait dit, et toi donc, le Badamia, c'est parfait. Donc ça fait une sorte de petit papier avec une petite tache. Attendez, je vais vous montrer sans le petit pochon. En prendre qu'un seul. Voilà. Vous voyez, ça fait une sorte de petit papier avec une espèce de petite tache dessus. Et en fait, c'est cette petite tache, votre blob. Donc ce petit papier, moi je vais le mettre. Hop. Ouais, je vais le poser directement dessus. Voilà. Une fois que c'est dessus, vous voyez. Pose spécialement, tu vois, on regarde l'agar-agar immédiatement. Et voilà, ton papier, en fait, par capillarité, il va venir se mettre directement sur ton tissu et venir se coller, en fait, automatiquement. Donc là, pas trop de problème. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, la petite pipette. Voilà, l'eau qu'on avait préparée va rentrer en action. On se munit de la petite pipette, là, et on récupère. J'ai bien compris, on n'a pas besoin de trop noyer le bloc, enfin, de trop mettre d'eau dessus. Pour non, couper. Non, non, c'est ça. Il faut mettre une ou deux gouttes d'eau. Okay. Parce qu'attention, c'est bien noté aussi dessus. Il sait se déplacer, mais il ne sait pas nager. Donc, il ne faut pas le noyer directement dans l'eau. C'est pour ça qu'on utilise de l'agar-agar, une solution gélifiée. Ça permet justement d'éviter qu'il se noie. Alors, je récupère un peu d'eau, moi. Hop, voilà, parfait. Et on met deux gouttes directement dessus. Hein. Hop, une et deux gouttes. Okay. Voilà.
Alors, ensuite, placez quelques flocons d'avoine sur la gélose. Donc la gélose, c'est le gel qu'on a là, hein, c'est le support qu'on a fait avec notre agar-agar. Et placez-moi dans l'obscurité à une température comprise entre 18 et 25 degrés. Mon réveil peut prendre entre 3 et 48 heures. Effectivement, donc c'est ce que je vous expliquais. Là, il va avoir besoin de se réveiller, donc on va lui mettre un petit peu de flocons d'avoine. Alors, voilà, petit flocon d'avoine, tu peux le prendre à la pince, hein, peut-être faciliter les choses. Voilà, mettez-en vraiment pas beaucoup, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Mettez-le aussi, petit conseil, pas trop loin de votre blob. Ça lui évitera de devoir parcourir une distance extraordinaire pour se nourrir directement. Hop, juste un ou deux flocons, c'est largement suffisant. Voilà. Très bien. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir patienter. Je peux refermer la boîte avec cette petite partie-là. Comme ça, c'est complètement hermétique. Ça ne bouge pas. Hop, si vous ne savez pas où la mettre pour que ce soit dans l'obscurité, regardez, la petite boîte est faite pour ça. Je la place dans ma petite boîte juste ici et on peut la refermer, c'est aimanté, c'est parfait. Ils ont pensé à tout et franchement, ça c'est vraiment génial. Donc au niveau de l'alimentation, faites très attention. Vous voyez les flocons d'avoine, quand vous les mettez en contact avec de l'humidité, ça va venir pourrir. C'est pour ça qu'il va falloir les changer tous les jours et retirer ceux qu'il n'aura pas directement consommé. La première fois, vous verrez, il y a de très grandes chances qu'il va falloir les retirer parce que votre sclérote ne se sera sûrement pas réveillée la première journée. Donc retirez-les et recommencez l'opération directement le lendemain. Petit détail supplémentaire, l'agar-agar, comme vous le constatez, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup par rapport à ce que j'ai utilisé. J'ai aussi plusieurs boîtes, c'est tout à fait normal. La gélose, donc la solution solide de gelée qu'on a utilisée donc avec l'agar-agar, ça, il va falloir le refaire tous les 2 à 3 jours. Tout simplement parce que ça va aussi, vu que c'est humide, il va y avoir du développement bactérien, qui dit développement bactérien dit champignons, moisissures, et ça c'est des choses qu'on ne souhaite pas forcément dans l'environnement de notre blob. Est-ce que ça peut carrément détruire la cellule ou au moins propager plus les cellules du blob? Alors, ça peut être un petit peu qui tout double. Soit ça ne va strictement rien faire, soit ça va attaquer directement le blob, puisque lui il va venir se nourrir du blob pour pouvoir survivre, donc le blob lui va se faire défoncer. Soit ça peut être l'inverse. Le blob va venir se nourrir directement du champignon, parce qu'il faut savoir en fait que dans la nature, vu que ça vit dans les forêts, le blob se nourrit de champignons. Oui, il peut s'adapter aussi facilement à cette alimentation-là. Exactement. Donc voilà, faut quand même faire attention. Alors attention, la moisissure est un champignon, mais n'est pas le même champignon que les champignons que tu vas consommer dans la forêt. Voilà, faut bien remettre les choses dans l'ordre, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de contrôler l'environnement du blob. Surtout que à l'intérieur, donc la solution de gelée, il va falloir la refaire tous les 2 à 3 jours. C'est pour ça que je vous invite à garder toujours un petit peu d'agar-agar. Ça, si jamais vous en avez plus, vous pouvez en retrouver très très facilement sur le site de Mr Blob. Et même d'ailleurs les flocons d'avoine, vous allez pouvoir aussi retrouver sur le site de Mr Blob. Mais de toute façon, ça c'est très facile à trouver dans le commerce. Ne vous en faites pas, les flocons d'avoine, hein, vous allez dans le rayon bio, vous allez en trouver super facilement. De toute façon, il paraît qu'il mange que ça. En tout cas, donc là, notre petit blob, il est tranquillement installé. On va pouvoir patienter au moins quelques heures le temps qu'il se réveille. J'espère qu'il va se réveiller très, très rapidement. Ça nous permettra de vous mettre quelques images de ce blob qui est en train de se réveiller. On va essayer de vous faire des plans ultra quali là-dessus parce que c'est franchement ultra satisfaisant à voir. Bon, bah écoutez, maintenant, on va pouvoir faire un petit peu le retour de toute cette expérience qu'on a menée à bien avec Brian. Je vous avoue qu'on aurait quand même bien aimé que les petits blobs se soient déjà bien réveillés correctement. Bon, malheureusement, c'est pas tout à fait le cas, le mien il commence à se décoller de son papier et tout ça, donc voilà, ça commence à s'initier mais c'est pas encore tout à fait bon, donc on va devoir les laisser à l'ombre le temps que ça se développe, je vous le rappelle, pendant 3 à 48 heures. Bien sûr, les petits flocons d'avoine, on fait bien attention de les retirer à chaque fois, ça je le rappelle encore une fois, mais en tout cas c'est plutôt cool. Moi je trouve que cette expérience c'était quand même vachement intéressant de pouvoir la faire. Alors après, effectivement, ça peut paraître assez court pour certains, mais en tout cas moi je trouve que le kit était quand même très complet. Je sais pas ce que toi t'en penses. Il était bien complet. En plus, bon, faut vraiment faire preuve de patience du coup à l'étape où on met le produit, le colorant, parce que nous on a voulu être un petit peu trop curieux, je pense. Du coup, on a un petit peu secoué, mais sinon le rendu est excellent. Enfin, le rendu là, on va voir le développement en cours, mais en tout cas, ce que ça donne pour l'instant, moi personnellement, j'ai kiffé. Bah ouais, c'est ça, cool. Reste et puis adapté aux plus jeunes, avec bien sûr un accompagnement des parents, parce qu'il y a des choses qui sont pas simples à faire sur le moment. Ah, puis l'eau bouillante et tout ça. Enfin voilà. Voilà, il y a des petits détails qui sont bien compliqués, mais sinon c'était super. Et moi ça, le petit détail qui tue, moi je trouve que de pouvoir mettre une couleur à la gelée,
Je trouve que c'est franchement grave stylé. Il y a tout, vraiment, comme tu disais, tout qui est fourni. On a la petite pince, on a la petite pipette. Enfin, voilà, tout est là. Ils ont même pensé dans le kit que nous, on a, à nous mettre le petit labyrinthe qui va nous permettre de pouvoir faire nos propres expériences avec le blob. Et surtout, si jamais vous aviez pas forcément d'idée vous-même d'expérience à faire avec le blob, il y a un petit fascicule qui a été rajouté dans la boîte et qui est super cool. Tout ça, en fait, à chaque fois, donc là, vous avez une expérience. Là, vous avez une expérience. Là, il y en a une autre, une autre, une autre, une autre. Voilà, ça, c'est plein d'expériences différentes à faire avec votre blob. On vous explique la fusion. On vous explique comment réaliser une fusion entre deux blobs différents, la course dans le labyrinthe, enfin ce genre de choses, c'est super cool. Le petit piège avec le U qui est juste ici, vous piégez votre blob dans le U et vous mettez sa nourriture derrière et vous allez vous rendre compte qu'il est capable de pouvoir la déceler malgré qu'elle soit cachée sa nourriture. Enfin c'est super cool à mettre en place, à mettre en œuvre. Il y a plein d'expériences à faire. Vous-même réfléchissez aux expériences que vous pouvez faire, que vous pouvez réaliser, les mettre dans des températures un petit peu différentes à laquelle ils sont habitués. Enfin voilà, c'est un outil d'expérience qui je trouve extraordinaire. Ça nous permet de pouvoir se rendre compte que la Terre, elle est bien plus fascinante que ce qu'on peut penser, et je trouve que c'est super bien mis en œuvre. Enfin, le petit fascicule qui a été fourni, il est quand même super bien expliqué. Il t'explique même à l'intérieur, vous voyez, pour le bien-être. Donc, parce que ça, voilà, c'est toute la partie mise en place. Là, il y a la partie donc entretien qui va être notée en plus. Donc, il t'explique comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir transférer ton blob de son ancienne gélatine à sa nouvelle gélatine pour éviter tout le développement bactérien, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant. Enfin, voilà, tout est correctement expliqué, très bien expliqué, un petit peu imagé pour être sûr de ne pas se tromper. On a le petit couteau qui a été fourni pour pouvoir faire sa découpe et pouvoir transvaser son blob d'un pot à un autre. Enfin, franchement, je trouve que c'est extrêmement complet. Je rappelle que ce kit-là, donc, entier va coûter sur le site de Mr Blob 55,99€ si je ne me trompe pas, ou 55€, et grâce au code promo Animood vous allez pouvoir bénéficier de 10% de réduction. Donc franchement foncez, c'est une expérience que vous allez pouvoir faire et refaire avec vos enfants. Je le rappelle qu'à l'intérieur on avait deux souches différentes de blob, et je rappelle en plus qu'il y avait deux sclérotes dans chaque sachet, et donc ça c'est cool, ça permet de pouvoir faire plein d'expériences différentes. Bien entendu, une fois que votre blob s'est développé, vous allez pouvoir lui couper une partie pour pouvoir en faire un clone et encore faire d'autres expériences, etc., etc. Vraiment, je pense que c'est bien plus riche que ce qu'on peut s'imaginer. C'est bien plus riche que juste que ce que vous voyez là sous vos yeux. La richesse de cette chose-là, c'est votre imagination finalement. Et je dois dire que les enfants, c'est ceux qui bénéficient le plus de l'imagination. Donc, franchement, l'imagination, mais à un point, surtout que ça reste fascinant et c'est un développement sur le du long terme. Donc, observation au fur et à mesure, ça c'est cool. Mais carrément, moi-même qui suis papa, moi je sais que je vais le refaire demain avec mon fils, j'ai fait grave kiffer, ça va être trop cool quoi. Même les termes techniques sont expliqués, enfin entre guillemets un peu plus complexes, scientifiques, sont expliqués sur le petit fascicule. Oui c'est vrai, à l'intérieur il y a une petite explication, et franchement ça c'est cool. En tout cas, la famille, ça nous a fait vraiment trop plaisir de pouvoir vous retrouver, de pouvoir développer un petit peu tout ça avec vous. Je rappelle que bien sûr toute cette semaine-là, parce que là ils sont encore en cours de développement, on va vous faire des plans pour vous mettre un joli plan musical avec tout le développement de notre blob. Retrouvez-nous sur Instagram, TikTok et Facebook. Dessus, on vous fera des vidéos des différentes expériences que nous-mêmes on va réaliser avec nos blobs. Vous allez pouvoir le développement. On va essayer d'en faire des très très gros, des plutôt rapides. On va voir comment est-ce qu'ils s'alimentent en fonction de la souche. Enfin voilà, on va tester pas mal de choses. Rejoignez-nous sur les différents réseaux. Bien entendu, si jamais vous avez des expériences que vous voulez nous conseiller de faire, allez directement dans les commentaires et dites-nous quelles expériences vous avez envie de réaliser ou vous voulez que nous, on réalise directement. Franchement, ça peut être beaucoup trop cool de voir un petit peu votre imagination à vous avec nos blobs. Bien entendu, à ces petits blobs, bah, on va leur donner un nom. On est obligé de leur donner un nom. Moi, je sais que personnellement, le mien, je vais l'appeler Dylan, comme ça, ça fait le blob Dylan. Toi, tu l'appelles comment, tiens ? Blob l'éponge. Blob l'éponge, c'est ça, blob l'éponge. En tout cas, voilà, ça, c'est les petits noms qu'on leur a trouvés. Peut-être qu'on fera une fusion des deux et on trouvera un autre nom pour faire des bébés, tu vois. Enfin, voilà. On a plein de choses à faire avec cet organisme vivant. C'est beaucoup trop cool. La famille, en tout cas, ça nous fait toujours autant plaisir de pouvoir vous retrouver toutes les semaines. On vous retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine, dimanche, 11h. C'était Brian et Matt sur Animood. On vous fait des bisous. Ciao.